Hello, hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis très 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 contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. 4 blagues à faire à l'école, puisque vous savez que moi j'adore piéger mes amis, j'adorais piéger mes camarades de classe à l'école, voilà, pour faire des blagues très fun, un petit peu méchantes mais très drôles quand même. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu des petites astuces pour piéger vos amis en direct, parce que je trouve ça trop fun et voilà, j'ai toujours adoré ça et je sais que vous adorez ça aussi. Donc si vous avez envie de connaître un petit peu des blagues, des petits pièges un petit peu méchants mais pas trop trop, je vous invite à regarder la vidéo, ça va être assez fun et très drôle. Vous avez fait cette vidéo très récemment et vous l'avez adorée comme des dingues, donc je me suis dit ok Jeanne, faut à tout prix que tu recommences ça. Si vous avez des idées de blagues vraiment intéressantes, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, comme ça je les ferai et je vous ferai des petites dédicaces dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous adorez ce style de vidéo, mettez dès maintenant plein de pouces en l'air, lâche ton like, voilà, mets un pouce bleu dès maintenant. Moi j'adore faire des vidéos comme ça parce que c'est trop drôle. Voilà, on va faire des blagues un petit peu méchantes mais quand même très marrantes et très fun. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, allez-y, vas-y, abonne-toi, t'inquiète pas, on t'attend. Vas-y, abonne-toi. En tout cas, voilà, on est plus de 200 000 et c'est juste incroyable. Je suis trop contente. Merci de rejoindre la Make Up Chic Family. On est une famille maintenant et c'est juste trop cool. Donc voilà, mettez des pouces bleus, mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous et c'est parti, on commence tout de suite avec les premières blagues. Let's go. Yes. Ok mes amours, donc pour la première blague, on va être très méchant, on va être sans pitié avec nos potes de classe. Franchement je crois qu'ils vont nous détester après ça. Donc voilà, si vous avez envie de piéger votre ami, on va lui foutre la honte totale, la honte de sa vie en cours. Ou alors voilà, vous pouvez le faire aussi au travail, mais faites attention quand même. Ou bien en soirée aussi, ça peut être plutôt pas mal. Donc on va prendre du papier toilette. Voilà, donc comme ceci. Hop là. Et vous aurez aussi besoin d'un scotch double face, voilà, qui est comme ceci. Et en fait mes amours, pour vous expliquer clairement ce qu'on va faire, on va prendre un bon morceau de papier toilette, voilà, vous déroulez un petit peu, vous le posez, vous savez, délicatement sur une chaise, je vais vous montrer juste après. Et après vous collez bien sûr le scotch double face, voilà, vous le collez juste en haut. Et votre pote il va se trimballer ensuite, quand il va se lever, il va se trimballer dans les couloirs avec du papier toilette qui pendouille sur les fesses, voilà, dans tous les couloirs du lycée, du collège, peu importe, vous pouvez le faire aussi au travail, mais faites attention quand même. Et voilà, ce sera une blague plutôt drôle, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Oh, franchement ça se fait pas, on est trop méchant, franchement c'est assez incroyable. Donc vous prenez le papier toilette comme ceci, vous imaginez, hop là, voilà, vous prenez un bon bout comme ça. Voilà, hop là, comme ça. Voilà, vous prenez un bon bout comme ça et vous le pliez bien comme il faut, vous voyez, comme ceci. Alors attention, on fait bien les choses, hein. Attention, c'est un piège, mais on va le faire quand même très très bien pour que ça fonctionne. C'est un prank ceci, on peut dire ça, hein. Hop là, voilà. Donc comme ça, vous le pliez comme ceci. Ensuite, par-dessus, vous mettez votre petit bout de scotch double face. Oh my god, on est vraiment des fous, on est vraiment des malades. Donc voilà, vous prenez comme ceci. Moi, je viens de m'apercevoir qu'il n'était pas double face, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Oups, là, je me suis trompée, je crois, quand je l'ai acheté, mais c'est pas grave. Vous l'enroulez comme ceci, hop, hop, hop. Voilà, et vous le collez juste au-dessus. Comme ça. Voilà, et ensuite, attention. Tada! Vous prenez votre tabouret, mes amours, vous déposez ça juste ici, mais assez discrètement, en fait. Faut vraiment pas qu'ils s'en aperçoivent. Alors, voilà ce que ça donne, mes amours. Donc, après, bien sûr, votre ami va s'asseoir dessus, bien évidemment. Et en se redressant, mes amours, votre ami va se taper la honte de sa vie, puisqu'il va marcher dans les couloirs de l'école avec du papier toilette collé sur les fesses. La honte totale, quoi. Oh my god, la honte. Donc, bah, voilà. On est vraiment méchants, quand même. Non, mais au secours, quoi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Non, mais c'est une blague de dingue, ça. Ça commence mal. Ça commence très, très mal. Mais en tout cas, ouais, si vous voulez vraiment afficher votre pote, n'hésitez pas à faire cette blague avec du papier toilette et du scotch double face. Voilà. Non, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool ce qu'on fait. Mais bon, c'est pas grave. On passe tout de suite à la deuxième blague. Donc, ça me vient d'une abonnée. Je te fais plein de bisous à toi, Maëva Dupré. Merci pour ta blague que j'ai adorée. Donc, tu m'as dit, il faut mettre du papier film. Oui, sur la cuvette des toilettes. Et refermer. Et t'as mis plein d'émojis. Voilà, mort de rire. Et il y a eu plein de likes. Donc, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je teste ça. Ou alors que je commente. Et voilà, il y a même HS Simo à qui je fais d'énormes bisous aussi. Donc, n'hésitez pas à me laisser toutes vos blagues, toutes vos super blagues dans les commentaires. Comme ça, vous passerez dans mes prochaines vidéos. Donc, je vous fais des gros bisous à vous deux. Donc, tu as dit la même chose. Tu mets du film transparent sur la cuvette des toilettes. Et tu la refermes. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de likes, donc voilà. Alors j'ai trouvé une vidéo qui réalise très bien ce prank, donc je vais réagir à cette vidéo et on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti mes amours, on va voir ce prank assez drôle. Hop là, alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il met du film sur les toilettes, en fait il veut faire une blague à sa copine, mais si vous voulez vous pouvez le faire à vos potes, voilà, comme vous voulez. Oh my god, c'est un fou, franchement c'est un fou. Donc voilà, vous prenez le film comme ceci et vous le mettez sur la cuvette des toilettes. C'est valable aussi en classe. Qu'est-ce qu'il fait? Oh my god, mais ça se fait pas.
Ah la pauvre, elle va s'asseoir en arrivant sans voir le film et là. Ouh là 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 là. En plus, il le met bien, il prend bien son temps et tout, c'est dégueulasse quoi. Franchement, c'est méchant. Regardez son rire là. Et voilà, vous refermez comme ceci. Oh non. Et donc après, la fille rentre. Oh my gosh. What the fuck? Non mais c'est... Franchement, je me mets à sa place, c'est dégueulasse quoi. Mais bon, on aime bien les blagues méchantes, donc on va le faire. Ah, la honte, la honte! Oh non! Elle est dégoûtée, la pauvre! Oh non! Ah, c'est horrible. Non, franchement, c'est méchant. Franchement, c'est méchant. Ah, la pauvre. Bon, j'espère qu'elle a pas fait autre chose. J'espère qu'elle a juste fait pipi, hein. Mais voilà. En tout cas, ça fait une très bonne blague valable en cours. Voilà, à l'école, au travail, où vous voulez. Mes amours, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo, mais je trouve que c'est vraiment très 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 méchant quand même. C'est vrai que faire ça à son pire ennemi, voilà, ça pose pas de problème, mais quand même, je trouve ça trop méchant. Bref, alors pour la troisième blague, ce qu'on va faire, tout simplement, si vous avez une copine cette fois-ci, je pense que ce sera plutôt valable pour les filles, cette blague-là. Voilà, si vous avez une copine qui est vraiment accro au rouge à lèvres en tout genre, donc moi, vous savez que j'adore tous les rouges à lèvres du monde, hein, ceux de chez Jeffree Star, Kylie Jenner encore ici, Jeffree Star, voilà, Kat Von D, peu importe, Fra Cosmetics, voilà, si vous avez une copine qui est vraiment accro au rouge à lèvres et qui adore se faire des petites retouches un petit peu pour draguer, etc. Les mecs, voilà, de l'école ou de la classe, tout simplement. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui pourrir la vie, tout simplement. On va appliquer de la colle extra forte, de la glu, en fait, dans son rouge à lèvres. Et après, il va s'en appliquer sur les lèvres et ce sera juste horrible. Donc, c'est parti, on va tester ça pour voir. Voici la petite glu. Donc, c'est écrit extra forte. C'est vraiment hard. C'est vraiment... ça colle extrêmement beaucoup, beaucoup. Et voilà, dans ces vidéos-là, on fait pas gaffe. Oh mon dieu, voilà, vous prenez ça comme ceci. Alors faites attention, bien sûr, pas à refaire, hein, attention, c'est juste pour rigoler, hein, bien sûr. Je précise avant qu'on me dise, oh non, non, tes vidéos, elles sont trop dangereuses, non, 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 et tout. Donc voilà, vous prenez ça, vous ouvrez comme ceci. Après, vous pouvez prendre de la colle normale qui est un petit peu moins dangereuse parce que, voilà, faut pas qu'on colle les lèvres de notre pote. Mais voilà, vous mettez ça à l'intérieur. Ouh, ouh, ouh. Voilà, vous en mettez bien, vous appuyez et tout. Et après, oh my god, hey, mais qu'est-ce que je fais pas? Voilà, et vous refermez comme ceci. Bon, après, s'il vous plaît, mettez pas de la colle forte. Je veux pas qu'on dise, ouais, à cause de mes capsules que j'ai fait un carnage. Donc voilà, vous mettez comme ceci. Et après, vous remettez ça dans les affaires de votre copine. Voilà, ni vu ni connu. Ou alors de votre pire ennemi. Voilà, si vous la détestez, c'est pas mal. Voilà, et après, bah après, elle va se mettre du rouge à lèvres. Ni vu ni connu, hop. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette texture là? Oh, ça pique en plus. Ah, ouh, j'ai les lèvres collées là. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais pas. Pourquoi j'ai appliqué ça? Je suis dégoûtée. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi dans mon rouge à lèvres là? Eh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est pas mon rouge à lèvres ça? Oh my god. Oh my god. Oh. Oh, oh my gosh, oulala. Bon, elle restera pas les lèvres collées, mais il y aura une sensation très bizarre. Peut-être qu'elle aura les lèvres collées comme ça aussi. Mais en tout cas, voilà, ça fera une très bonne blague. Et c'est vrai que c'est dangereux, mais moi j'adore cette blague aussi. Donc voilà. Oh, par contre, il y a un souci, les amis, j'ai les lèvres trop bizarres là. Ça pique énormément, ça pique trop, trop, trop. Je sais pas ce que j'ai là. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Eh non, sérieusement, mes amours, je sais pas ce que j'avais sur mes lèvres là, mais ça me pique énormément, ça me pique trop. C'est hyper chelou, ça colle, ça picote en fait. On dirait qu'elles ont triplé de volume, j'ai trop peur. Oh mon dieu, je sais pas ce que je vais faire, ça se trouve, je vais finir aux urgences là. Bref, on passe à la quatrième blague pour terminer. Donc tout simplement, si vous avez une copine qui adore se maquiller, encore une fois, voilà votre pote et que vous avez envie de lui faire une petite blague ou tout simplement de... de lui pourrir la vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ses anti-cernes. Chouchou, voilà. Donc si vous repérez son anti-cerne dans sa trousse de maquillage, vous le prenez tout de suite, tout de suite. Et ensuite, ce qu'on va faire dessus, bien sûr, on va appliquer... Devinez ce qu'on va appliquer. Devinez ce qu'on va bien pouvoir appliquer. De la mayonnaise, les amis, bien sûr. Donc, c'est méchant quand même, ça se fait pas. Elle va se mettre de la mayonnaise sur le visage.
Ça se fait pas avant d'aller en cours, non mais franchement c'est pas cool. Donc voilà, vous prenez votre mayonnaise, moi j'aime bien celle-ci, Amora, elle est vraiment trop bien. Et vous prenez bah, son anti-cerne, donc moi j'aime beaucoup ceux de chez Ofra Cosmetics, Matchbox et NYX. Voilà, celui-ci je viens tout juste de l'acheter avec ce rouge à lèvres qui est trop beau d'ailleurs. Mais bref, je raconte pas ma vie. J'aime trop parler dans les vidéos, j'aime trop vous raconter ma vie. Mais bref, là vous prenez un petit peu voilà son anti-cerne. Voilà, et vous mettez un petit peu de mayonnaise à l'intérieur, ni vu ni connu. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Ouh là là. Voilà, et vous prenez ça. Alors attention, vous faites ça bien en scred, hein, discrètement, hop. Oh my gosh, oh my gosh. Voilà ce que ça donne. Et après, bah, ce que vous faites, c'est que vous mettez bien... Voilà, vous faites en sorte que ça ne se voit plus. Hein. Vous mettez bien à l'intérieur, bien comme il faut. Ni vu ni connu. Attention, c'est de la potion magique. Hey, n'hésitez pas à enlever un petit peu l'excédent, voilà, comme ceci. Et après, voilà, il y aura plein de mayonnaise à l'intérieur. D'ailleurs, ça sent, je sais pas, ça sent le vinaigre, en fait, ça pue. Bref, voilà, vous faites comme ceci. Et là, vous voyez, ça se voit même plus. Vous refermez. Et le matin, quand elle va se maquiller, la pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Ou alors, vous savez, si elle trouve qu'elle a des cernes en cours de journée, elle se met un petit peu d'anti-cernes, ni vu ni connu. Vous savez, comme on faisait un petit peu à l'école. Ou comme vous faites certainement si vous êtes à l'école, d'ailleurs. Et là, elle va ouvrir ça comme ça. Hop. Et elle va s'en mettre, elle aura une texture trop bizarre sous les yeux. Et elle sera dégoûtée et ça fera une très 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 bonne blague. Donc bah voilà mes amours, si vous avez envie de pourrir la vie de votre entourage, surtout pensez à la mayonnaise, c'est vraiment pas mal. Et après bah voilà, vous aurez un anti-cerne vraiment dégueulasse. En plus ça pue, ça sent le vinaigre là, je déteste, mais voilà, ça fera une très bonne blague aussi. Voilà. Yes! Et donc voilà mes amours, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai adoré vous la faire, j'ai bien rigolé et je pense que vous aussi. Donc si vous avez adoré, mettez dès maintenant plein de pouces vers le haut, mettez plein de pouces bleus, plein de likes. C'est vrai qu'on est vraiment très méchants quand même, mais bon, mettez plein de pouces en l'air, mettez plein de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre la Makeup Chic Family. Si t'es pas abonné, abonne-toi, sinon c'est qu'il y a un problème. En tout cas voilà, n'hésitez pas aussi à me donner toutes vos blagues dans les commentaires, comme ça vous passerez dans ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, 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 ciao. On adore ça, donc je sais pas quel âge, je vais dire 18 ans. Oh, 14 ans encore! Non, mais what the fuck, c'est quoi? C'est pas possible! Oh.